Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout protocole observé, chers élèves. La communauté éducative du lycée Sainte-Marie est très honorée de votre présence distinguée et vous souhaite bienvenue à Kwaba Kwacheng. Quand en 2015, par les bons soins de Madame la ministre Kandia Camara, je fus portée à la tête de cet illustre établissement qui, selon l'entendement populaire, bénéficiait de tout. Infrastructures, projets pédagogiques, spécifiques et innovants. Je me suis dit intérieurement, toi tu viens de la Djamé, un établissement de 1000 mètres carrés, double vacation, 7000 élèves. Comme on dit à Djamé, Baramoro. Quel est le plus que je peux apporter au lycée Sainte-Marie? Tu as déjà tout. Et la lumière fut. Et pendant l'année scolaire 2016-2017, on introduit le chinois en sixième. Ce fut le début d'une belle expérience, accompagnée par le REAC, le réseau des enseignants amis de la Chine. Une voix plus autorisée que la mienne vous dira le parcours qui a été le nôtre depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Le 27 septembre 2017, nous étions ici avec la première dame pour l'inauguration de la salle de l'amitié sino-ivoirienne. Le 28 janvier 2019, c'était le tour du lycée des jeunes filles de Yopougon pour recevoir un don d'un véhicule pour la coordination des activités des clubs à l'occasion de la célébration de la journée de l'amitié Chine-Côte d'Ivoire par les élèves amis de la Chine. Aujourd'hui, nous sommes au lycée Sainte-Marie pour la remise des bourses d'appui à la scolarisation des élèves des clubs des amis de la Chine du lycée Sainte-Marie et beaucoup d'autres actions restent à venir. Merci, Excellence. Merci pour vos actions en faveur des élèves et de l'école ivoirienne. Nous voudrions enfin exprimer notre reconnaissance à l'action de l'Institut Confucius à travers son directeur, professeur Liu, et de sa dynamique équipe d'enseignants dans notre marche vers la promotion et la vulgarisation de la langue chinoise dans nos établissements. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de faire la connaissance de tous les amis ici présents au lycée Sainte-Marie. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à Madame la ministre pour sa disponibilité d'assister à la cérémonie d'aujourd'hui, ce qui reflète pleinement votre grande attention pour le développement de l'enseignement élémentaire en Côte d'Ivoire, ainsi que les échanges et la coopération sino-ivoirienne dans le domaine de l'éducation. Je tiens également à exprimer mes chaleureuses félicitations aux élèves boursiers. J'espère que dans le futur, vous continuerez à travailler durement, à progresser contre tout vent et vague pour atteindre le sommet. Voilà, maintenant Madame la ministre va remettre les prix aux filles de 4e et l'ambassadeur va remettre les prix aux filles de
troisième. Confucius, nos chers encadreurs du lycée, quand tu te laïpin, tu n'as pas de peigneur, mais quand tu te tiens, la taoshan mali chonchoué. Au nom de toutes les apprenantes du club chinois, et particulièrement de celles qui reçoivent cette bourse aujourd'hui, je voudrais, chère maman Kandia Kamara, vous dire merci. Merci de soulager nos chers parents en cette année scolaire. Merci de faire notre bonheur. Nous vous promettons de toujours faire votre fierté et celle de nos parents. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci pour cette bourse que vous nous offrez et qui reste pour vous un symbole fort de l'attention que vous portez à notre épanouissement. Merci pour la joie que vous nous procurez. Nous, les élèves qui apprenons la langue chinoise, nous serons aussi les ambassadrices de votre riche culture auprès de nos parents et de nos amis qui n'ont pas encore eu la chance de la connaître. Merci à tous les acteurs de cet échange entre la Côte d'Ivoire et la Chine, à tous ceux qui ont permis ce beau moment. Côte d'Ivoire, one swing. Chongkwa, one swing. Côte d'Ivoire, one swing. C'est ça, tiens. Le mercredi 11 septembre dernier, nous nous retrouvions au lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam pour sceller justement un acquis majeur de la fructueuse coopération qui lie la Côte d'Ivoire à la République populaire de Chine. Et à cette occasion, je n'ai pas manqué de signifier à quel point la bonne santé de nos relations bilatérales avait impacté positivement notre système éducatif. En effet, ce joyau architectural qui s'est hissé de fait au rang des établissements vitrines de l'école ivoirienne aurait pu suffire à lui seul pour symboliser cette dynamique. Mais lors du jour de la cérémonie qui nous réunit ce matin, pour ne pas dire cet après-midi, vient donc comme la cerise sur le gâteau. En octroyant des bourses d'une valeur de 6 millions de francs CFA à une vingtaine de nos meilleurs élèves, l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire confirme l'état de grâce que connaissent nos relations inter-États. Et comme toute coopération qui se veut rentable et pertinente,
elle a fait de l'éducation et de la formation sa rampe de lancement. Je suis donc aujourd'hui un ministre d'éducation comblé. Bien sûr, il existe encore des aspects de notre système où nous serons heureux de bénéficier de l'assistance et de l'expertise chinoise. Mais pour l'heure, nous savons reconnaître les efforts colossaux qui sont consentis pour nous accompagner. C'est pourquoi nous n'avons pas de mots justes pour porter le noble sentiment de reconnaissance que nous avons pour nos bienfaiteurs, qui savent toujours nous réconforter justement là où nos attentes sont grandes. Grand merci à Son Excellence M. Wang Li, ambassadeur de la République populaire de Chine. Grand merci à l'ambassade de la République populaire de Chine. Grand merci à la Grande Chine. Bon vent aux différentes bénéficiaires. Bonne année scolaire à tous les élèves de Côte d'Ivoire et singulièrement aux élèves de Sainte-Marie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie Madame le ministre Claudia Camara et l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire de nous avoir donné ces diplômes qui nous récompensent pour nos travaux. J'espère pouvoir continuer ainsi et devenir quelqu'un de très important si l'avenir me le permet. Aujourd'hui, j'ai été bénéficiaire d'une bourse d'études offerte par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier M. Wang Li, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, et Mme le ministre Claudia Camara. Je voudrais véhiculer un message à mes amis qui hésitent à apprendre la langue chinoise. Je veux leur dire d'apprendre cette langue, qu'elle peut nous ouvrir plusieurs portes dans l'avenir.